frères et sœurs, nous sommes heureux d'avoir un personnage spécial. Elle va commencer par se présenter et ensuite nous parlerons de son expérience en République dominicaine. Bonjour. Bonjour, Monseigneur Sansarik. Vous vous appelez comment? Christina Blo. Vous êtes originaire? Je suis originaire du Cap-Haïtien et j'habite en République dominicaine depuis déjà 20 ans. Depuis 20 ans. En effet. Donc, habla usted español? Muy bien, si, oui, hablo español, porque es el idioma de ella. Malheureusement, je ne suis pas aussi habile qu'elle en espagnol. Maintenant, et qu'est-ce qui vous a amené en Dominicanie? Bon, j'ai été pour étudier, et j'ai étudié le tourisme là-bas en République dominicaine. Et puis après, bon, je suis retournée vivre en Haïti, puis avec Haïti et la République dominicaine, j'avais des opportunités qu'on m'a offertes à cause des langues que je parle. Et donc je suis retournée vivre en République dominicaine, où j'ai travaillé dans le tourisme un certain temps. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Bon, aujourd'hui, j'ai une agence et en République dominicaine et en Haïti qui fait des tours, j'organise des tours pour des Dominicains et les touristes qui visitent la République dominicaine qui vont vers Cap-Haïtien. Donc, je fais la promotion du Cap-Haïtien comme destination touristique. Et d'ailleurs, je suis à New York et pour participer à une foire organisée par des Haïtiens de New York, une foire de mariage, un salon de mariage qui s'appelle Aïdou Haïti, c'est-à-dire si vous voulez vous marier en Haïti, que ce soit un mariage religieux, catholique, et bien sûr avec votre paroisse ici, on fait la coordination, vous aurez besoin d'une lettre, donc vous pouvez vous marier en Haïti, on fait, il y a d'ailleurs au Cap-Haïtien, il y a un aéroport et tout ça, et directement, donc, et que ce soit à la cathédrale du Cap, que ce soit à la chapelle royale du roi Christophe à Milo, donc nous sommes là pour ça, donc c'est ça. Vous voudriez donc que les Haïtiens qui se préparent au mariage ici, qu'ils aillent célébrer leur mariage à la chapelle du roi Christophe au Cap-Haïtien, du côté de la citadelle. Il y a le Palais Sans Souci juste à côté. Le Palais Sans Souci. Parce qu'il y a une tendance de mariage à destination, que surtout les Haïtiens qui sont dans la diaspora, et ils font ce mariage à Jamaïque, ailleurs, donc on dit pourquoi pas Haïti. Donc Haïti aussi, on a le Cap-Haïtien, moi je fais la promotion du Cap parce qu'on a un aéroport, même quand il y a une certaine situation politique à Port-au-Prince, on n'est pas tout à fait affecté parce que c'est plus calme. On a notre aéroport, les plages, les hôtels, donc tout peut se faire. On est la deuxième ville du pays. N'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, vous êtes en Dominicanie depuis 20 ans. Alors, quels sont les Haïtiens qui résident en Dominicanie? Bon, République dominicaine, nous avons plusieurs catégories. Dans mon temps, il y a eu les étudiants. Certains sont restés vivre, comme moi. Certains sont retournés soit en Haïti, soit partir pour le Canada, ou les États-Unis. Donc, il y a un pile étudiant haïtien en Dominicanie. Oui, juste à présent, il y a bien plus parce que le temps de là, nous pas d'empile, mais ça fait déjà, bon, j'ai pas les statistiques d'aujourd'hui, mais ça fait 3 ans les statistiques, on était déjà plus de 10 000, ils étaient plus de 10 000 étudiants. 10 000 étudiants haïtiens en République dominicaine. Mais ils ont payé pour... Oui, parce que des fois, ils ne parlent pas ça, mais c'est en capital, c'est de l'argent d'Haïti ou de la diaspora haïtienne qui va vers la République dominicaine. C'est-à-dire, peut-être que mon parent en New York ou bien en Floride, aux États-Unis, disons, qui voyaient comme là-bas, en Haïti ou bien directement en République dominicaine, ou bien c'est des parents qui travaillent en good, qui ont acheté des dollars ou des good pour voyer en République dominicaine. Est-ce que l'université dominicaine, le bon empire? Bon, je pense que c'est surtout parce que, bon, limite, par exemple, n'entends pas, pour t'entrer en médecine, t'as 100 étudiants par an. Imagine un pays qui prend 100 étudiants par an en médecine, ou devine une deuxième université qui prend 100 l'autre. Donc, au total, t'as 200 et 300 étudiants pour tout ton pays pour entrer en univers faculté de médecine. Donc, ça, ou qui voulait étudier médecine, non, qui n'a pas un accès en Haïti, que ce soit parce que l'examen d'entrée prend seulement 100, il fallait dans le temps être les meilleurs et avoir un piston, ou bien Saint-Domingue, ou bien choix pour entrer, est-ce que tu parles espagnol ou bien tu mets à niveau pour parler espagnol à pour entrer. Comme tu es dans Dominique qui dit, pourquoi j'aime qu'on ait étudiant qui a l'esprit de l'université qui n'a pas passé. Ou bien n'a pas qu'à sortir, pas qu'à graduer, mais qu'à entrer. Ça, c'est le système dominicain. Ou bien va entrer dans l'université, des bourgues, baccalauréat, ou à entrer. Si c'est langue pas bon, ou faire l'examen de langue, ou entrer maintenant, il te faut
passer les examens pour pouvoir te graduer. Ou bien, on ne peut pas graduer par rapport à l'argent, par exemple, qui a fini. Je suis quitté ça, pendant un petit monde qui changeait de carrière au niveau, bon, la médecine est trop difficile pour changer, au niveau, pendant notre travail là, ou quitter, ou changer. Mais, c'est ça, c'est, et je parle pour la médecine, mais c'est toute carrière en Haïti, donc il y a des carrières qui n'existent pas en Haïti. Ingénieur, par exemple, chimie, aussi. Chimie, au niveau de informatique aussi, donc il y a plusieurs carrières qui, ou bien les limitées en Haïti. Et les prix, donc, je parle par rapport à l'université privée en Haïti, dans mon cas, c'était moins cher pour moi d'aller étudier en République dominicaine que d'aller à cette université-là en Haïti qui avait à peine qui commençait la carrière où j'allais étudier, que j'avais choisi, la carrière que j'avais choisi. Et j'avais l'avantage d'apprendre une nouvelle langue, donc c'est pour ça que je me dis, eh bien, apprenons la nouvelle, donc plutôt mal laisser nos mains. Alors, aussi, nous toujours voulons quitter le pays, alors, nous finissons faire classe, nous toujours profiter. Donc, la carrière que vous avez choisie, c'est quoi encore? J'avais fait le tourisme. À l'époque, c'était ça pas encore. Ça vous intéresse, hein? C'était pas encore une carrière. J'ai toujours voulu, quand on est dans la citadelle et l'abadie, je trouvais que c'était vraiment un gaspillage de ne pas le mettre en valeur, de ne pas le faire connaître, que ce soit au monde entier, que ce soit aux Haïtiens de la diaspora. Pourquoi ne pas venir connaître ce petit coin d'Haïti? Si vous allez chaque année, vous prenez des vacances en Jamaïque, Bahamas, je pense qu'en 3, 4, 5 jours, 5 nuits, il y a moyen de visiter Haïti. Et puis, l'argent pour te aller dans plusieurs, c'est justement la semaine dernière, il y a des grands Haïtiens qui viennent faire là-bas. Il était demandé mon tour, il me dit, la quoi le coûte autant? Il dit, on va payer tout comme ça pour venir dans le pays. Il me dit, obligé de payer lui parce que quand il n'y a pas de rien, pas de l'argent Haïti du tout. Tout le bagage monte, gaz monte, machine monte. Donc, effectivement, l'argent paye à la fin, il devait manger poisson frit, gris ou appétit, il m'arrive. So, machine, transport de cheval, propriétaire cheval fait comme. Et mairie, il le fait comme pour monter citadelle. Restaurant, il le fait comme. Guide, il le fait comme. Guide, il fait comme. Propriétaire machine, il le fait comme. Chauffeur machine, il le fait comme. Propriétaire cheval là, plus pour boire. Donc, ça veut dire, vous faites un petit cop là, là, n'importe 10 mounes. Manger là-dedans, jouer en substance, que parce que pas de l'argent, t'as pas de l'Haïti vraiment, pas de diaspora, et il y a presque rien, comme nous on est dans le pays qui a marché là. C'est ça. Donc, mais au Chita, en Dominicane. C'est ça. Qui bon, Ciudad Rio. Santo Domingo, qui était Ciudad Rio dans le temps. Il vient de changer, non, il vient de Santo Domingo. Santo Domingo. Very, very good. Et vous recevez un peu de touristes. Par moment, des fois, on est tourisme étranger, il me planifie. Il planifie un an, 6 mois, 8 mois à l'avance. Donc, des fois, il planifie, puis là, je arrive avec un problème en Haïti. Donc, obligé, soit au bac à venir, soit au bac en alternative, comme il passe par la République dominicaine. Obligé de quitter là, ça te arrive, le pays a été là, quand il y a un groupe depuis un an. Il était campé là, sous frontière, là, arrivé Jimani, au bac à traverser. Bon, on restait bloqué, à la fin, on est faire remonter vers Montecristi pour traverser par la bonne. Parce que tu as dit, nous, vite fait, c'est pour Haïti, nous sommes venus dans l'île. Donc, so, à la fin, sous 12 jours, on est faire 6 jours seulement parce que pas de cas traverser pour Prince. Donc, même le bon groupe, par exemple, matin, on a confirmation des endroits. Mais le temps pour moi, octobre, il est, par contre, ça va passer. Donc, so, ça veut dire, oui, on a des groupes, on a des confirmations, mais à la fin, qui vient balle, qui vient fête, ça dépend de crise politique. Là. C'est ça, bouleversement politique à Haïti. Nuit, économie pays, la vie, peuple. C'est ça. Une fois nous régler les problèmes, nous, puis vite, nous, tout le temps, nous parlons de bouleverse. Hein? C'est ça. Alors, c'est difficile. Donc, on dit qu'il y a un pile d'étudiants, on pensait qu'il y a 10 000 étudiants, et puis pour rester ici, plus ou moins, personne ne va prendre combien, mais nous estimons, non, haïtien qui est en Dominicane, il y a à combien? À 700 000. Par rapport à la statistique 700 000. Qui était gagnée en 2004, après sentence, nous étions gagnés des organisations qui font sentence des étrangers qui vivent de République dominicaine, nous étions presque 700 000. Bien que la population dominicaine pense nous 1 million, mais nous n'arrivons pas à 1 million vraiment. D'autant plus que bon, une grande quantité d'haïtiens qui traversaient le Chili entre les deux dernières années. Il est vrai que Guéna a passé place sur Haïti, en Haïti toujours, mais dans le chiffre a diminué. Nous diminué. Mm-hmm. Et Guéna, en plus, l'étudiant, l'université, qui a pile haïtien qui travaille dans le secteur du tourisme. Oui, nous avons un secteur touriste qui a pile haïtien qui est des professionnels, c'est-à-dire parce que nous c'est nous qui parlons plusieurs langues, donc nous surtout travaillons dans le service à la clientèle, vendre des excursions, recevoir clients dans la réception d'hôtel ou après haïtien dans le restaurant. C'est toujours le même qui est haïtien. Donc, on dit, oh, ça soit haïtien, oui, en algonquin, c'est nous toujours voulons que nous fassions haïtien servir. Nous voyons à première vue, nous toujours nous faisons une excursion de bateau. C'est des haïtiens même qui étaient capitaine là. C'est drôle, mais c'est comme ça.
Et puis, on a un système de construction hein, qui est vraiment une masse laborale haïtienne qui quitte Haïti. C'est yo qui, si vous regardez, Saint-Domingue, Vinpont, Miami, on a des gratte-ciels et tout. Et c'est haïtien construit, c'est-à-dire, normalement, de là, gros travail lourd que Dominique n'a pas faire. C'est lui, haïtien qui fait. Donc, on a un haïtien aussi qui travaille dans sa nouvelle call center. C'est des centres d'appel. Call center, c'est parce qu'il parle anglais. Surtout des haïtiens qui déportent les États-Unis, qui arrivent à Haïti, on a un contact Saint-Domingue qui dit ah, le fait qu'on parle bon anglais déjà aux États-Unis, nous avons un travail Saint-Domingue pour vous. Donc, là, ça a une sorte de permis de travail spécial. Si vous n'avez pas de temps, il y a un cadre de résidence qui devient très difficile. Le cadre de résidence, c'est permis pour vivre dans le pays légalement. Bon plan qui était les plans de régularisation après sentence que nous tout au courant de ça qui passe après sentence toute organisation de droit de l'homme tirer les comptes et puis Dominique était venu avec un plan de régularisation là ça te permet et haïtien était retiré nationalité ou récupérer lui et les haïtiens qui étaient venus vivre illégalement après 2010 après le moment de terre là joindre des permis de vie quoi nous était mal plus de 350 000 permis 400 000 permis. Et jusqu'à présent, même de même deux ans de ça, il y a un nouveau permis d'appel. Quand il y a des renouvellements de monde qui ont un permis ça. Et puis, nous avons un pilote qui travaille dans le secteur agricole. Oui. Il y a une bataille. Bataille. Vraiment, masse laborale là où je suis dans le secteur agricole là avec le secteur construction. Le secteur construction continue au plus élevé parce qu'il a besoin de certains, en anglais on dit skills, certains talents pour travailler dans la construction. Et puis, il y a Agriculture d'ailleurs qui s'est resservie à Haïti parce que par Haïti qu'on a acheté en pile République dominicaine. Haïti vient acheter manger en République dominicaine. Nous avons deux jours de marché par jour sur quatre frontières et moi-même, une famille à frontière d'Arabon Kaba et Kouana maintenant et Jimani Malpa, c'est-à-dire frontière qui vient pour presque frontière avec Haïtien. L'organe des chiffres d'affaires, la quantité de volume de camions, les grands camions qui passent, que ce soit ciment, on parle de tout ciment, fer de construction, et bananes, tomates, salades, œufs, tout le même avant que ni Dominicain ni Haïti ne pas produit, sorti vers la République dominicaine. Donc, je produit en Haïti même. Oui, et puis que. Oui, fort. Par exemple, avant, l'argent, ce n'est pas Dominicain qui produit avant. Mais c'est pas Saint-Domingue qui sorti qu'on y a, parce qu'on a des volumes, non? C'est parce qu'il y a plus pouvoir d'achat, plus crédit que même à l'importer le Canada, et puis on passe et vendre nos lignes encore. Donc tout passe maintenant par la frontière. Donc, il y a un emploi haïtien qui travaille dans l'agriculture, surtout dans le montagne, côté on travaille dans l'étude, dans les fruits, dans tout produit agricole, et puis il y a un secteur construction, ou il y a un secteur call center, ou il y a un secteur tourisme. À part ça, ou vin gen l'autre haïtien qui te vin travailler chercher la vie, cap chercher la vie, pour cap travailler dans la rue, cap vendre dans la rue, cap vendre figue, cap vendre avocat, cap vendre ça nous les pépé vulgairement en Haïti qui vendent ça tout, nous gen ça, c'est ça vraiment haïtien fait et puis nous gen ça qui fait aller venir qui vient prend caler al vendre Haïti donc toujours dans mouvement. Et pas gen tellement production Haïti qui vient vendre en Dominicani. Production qui vient vendre d'ailleurs ou bien à Dominica n'est pas quitté l'entrée parce que des fois c'est même pas nous faire. Nous avons par exemple le riz, dit oui, qui sorti Miami, que Haïti aurait aimé, mais il n'y a pas quitté. Nous avons l'ail, il n'y a pas quitté l'entrée, qui sorti d'Haïti, parce qu'il y a des produits qui sortent d'Haïti. Maintenant, dans une zone ville frontière, il y a pour le pays. Ou après, il y a vendu. Pour l'Haïti. Pour l'Haïtien. Ou après, tu vois, passer sur le frontière, tu dis, ça c'est pour Dominique qui quitté Dominique à payer plus cher. Parce que le fait que vous reproduction massive de poules et comment t'as dit ça, il n'y a pas de même vertu pour le pays nous gagner. Donc vertu pour le pays nous gagner sont luxe les poignets. Soit pour petit machin il y a le vendredi jour marché, Dominique a marché parce que son bon petit poule il pas gagné au monde, il bien mangé donc c'est il mange petit mal, il cherche là, il donc ça veut dire où j'ai des petits produits organiques ça qui vendent sur au niveau de ma très minime au niveau de oui, les frontières là, les frontières là. Oui. C'est ça, parce que Haïti importe pour le tout. Oui, c'est ça. Surtout, il y a une fois, il y a une semaine illégale, une semaine pas illégale, parce que ça veut dire, il y a une semaine, le gouvernement haïtien mettait des barèmes pour ne pas rentrer, des fois oui, des fois non, des fois le passer en bas pont, donc pour ne pas contrôler ça. Maintenant, il y a la population, il y a des gens qui ont fait quand même. Timoun oui. Yo Dominica. Non, la loi qui était changée, ah. Justement, c'est ce qui a. Et c'était cette loi, ça, qui était causée sentence et 2013 là. Et la loi dominicaine dit il n'y a pas le droit du sol. Il y a le droit du sol seulement sous légal dans le pays, sous un résident légal. Si vous avez le droit du sang, même avec Haïti,
Donc, si vous faites dans le pays, tes deux parents ou bien l'un des parents résidé, soit le résident, soit un haïtien qui a carte de résidence, li, ou bien qui vient nationaliser, oui, si vous avez le droit à la nationalité dominicaine. Mais si les parents sont visa, ils ont un visa touriste, c'est dans l'hôpital, ils viennent faire. Mais illégal. Pas illégal, non, c'est-à-dire qu'ils viennent pour aller dans l'ambassade d'Haïti, pour aller dans l'Haïti, pour acte de naissance. Et haïtien. Oui, l'hôpital a dit que les fêtes en République Dominicaine, c'est un haïtien qui est né en République Dominicaine dans tel hôpital, avec papier ça, l'ambassade d'Haïti a envoyé un document qui dit où c'est haïtien. Et vous avez besoin de ce type de rentrer à l'école. Est-ce que le type de haïtien est à l'école en pile en Dominicaine, et le type de fête pour le boyon? Il y a l'école en République Dominicaine. Oui, parce que c'est là que ça a fini. Il n'y a pas de problème. Si bon, vous... Avant, bon, moi-même, on ne connaît pas vraiment en dans niveau ça. C'est-à-dire le fait que je suis à l'ambassade de l'âme dans des caillots, même dans les Dominicains qui sont pleins, dit l'école publique, c'est haïtien qui prend tout, tout le monde haïtien à l'école gratis, mais moi-même, pas dans niveau ça, je ne suis pas à dire ni oui ni non. Même quand on est à l'ambassade là, je entendais que je viens là, il y a des gens qui disent, oh, je ne vais pas venir là parce que je vais venir mener petitement à l'école là. Ça veut dire, je ne vais pas même venir haïtien, je ne vais pas même venir venir. Inscrit, non, mais là, on va inscrire l'école, on va demander un document. Donc, c'est ça, avec document ça, selon la loi dominicaine, il va être gratuit. Mais, Dominicain plein dit, il est gratuit. L'hôpital, oui, nous entendons par exemple, les amis qui vivent sous les frontières dominicaines, ils ont dit, même, ils ont mis les lois qu'on a dominées haïtiennes, ils ont diminué, ils n'ont pas vu dans l'hôpital public gratuitement. Ils ont dit, même dans la clinique privée, Dominique a dit, c'est là que pour nous faire, parce que tout haïtien est plein, parce que, pas gagné, mais plutôt payer. Si vous payez haïtien, vous payez parce que, on va aller dans le nord, pas gagner vraiment l'hôpital. Donc, il y a l'hôpital Justinien qui est. C'est même coton qu'il faut acheter. Souvent, non, pour venir dans l'hôpital, puis au coup, il ne faut pas ni aiguille, ni coton, ni fil. Donc, ça veut dire, mon hôpital, aller soit Santiago, soit dans la frontière la même. Je te parle du nord, c'est là que je connais. Je ne vais pas aller tout le Port-au-Prince, donc pour ne pas dire que je vais généraliser les choses. Donc, nous avons dit qu'il faut payer l'argent. Si nous avons dit qu'il faut aller dans l'hôpital privé ou aller en médecin privé, il faut gagner n'importe quoi ça ici parce que nous le veut bonheur. Il faut le dire. Donc, nous sommes dans la première, même si c'est l'argent que nous vivons pays. Donc, c'est-à-dire, même dans les Dominicains disent oui, dans l'hôpital public, yo, gros l'hôpital dans la campagne de Yoyo, plein haïtien, je ne peux pas dire ni oui ni non, parce que je connais que haïtien plutôt vient avec l'argent pour le pays. Ça ne peut pas payer, mais les lois viennent diminuer, puis ils ne peuvent pas venir mettre les lois pays, puis ils ne peuvent pas avoir bon service. Donc, ça veut dire que plus fort haïtien qu'un Dominicain, a fait qu'il choisit quand même, il y a défendu, il y a vivre. Hein? Oui, en général, disons 90% de l'argent est réglé. Sauf si c'est étudiant, oui, l'argent est sorti à Haïti ou bien de la diaspora. Parce que sinon, il n'y a pas de plan. Oui, ok. Donc, nous parlons maintenant au point de vue, est-ce que Haïti ou à l'église, le Dominicain? Oui, oui, oui. Et surtout, même si moi, je suis catholique, mais il y a plus dans le mouvement protestant. Peut-être que le mouvement protestant peut-être pas au plus appui, mais on aime pas généraliser les choses, Monseigneur. Mm-hmm. Et même qu'on est, par exemple, tout le monde connaît, on connaît dans l'église protestante. Par contre, moi-même, on connaît plus surtout dans la zone Saint-Pierre de Macorís, là, qui dans le travail, on fait avec Caritas, avec l'église catholique, là, on connaît, oui. Bon, pas une seule paroisse, on connaît qui juste bon Villa Meia, qui est dans la capitale là. Tandis que dans pile l'église protestante, dans même Villa Meia, alors que son seul catholique qui vient, il y a plusieurs protestants. Donc, il y a une zone sacrée, les barrios haïtiens, côté droit, côté qui a un mouvement commercial là, il y a une bon église catholique et protestante là. Et on va le dimanche, toujours marche avec Bibio, même monsieur construction, marche avec Bibio le dimanche, ou alors, qui dans qui l'église allait, mais en général, c'est surtout protestant, marche avec Bibio. Donc, vraiment, il y a l'église, parce que c'est ça qui est lié quand même avec l'anglais. Et dans l'église, il y a parlé créole, il va parler espagnol. C'est ça. Il y a un père haïtien quand même qui est un dominicanien. Oui, un père fils d'un vaillant. Et puis, il y a l'autre, par exemple, il y a allé au Vini, donc c'est pas vraiment père qui est mais toujours il y a pas permanent, mais il y a allé Vini. Ok, alright. Et même qu'on est en Altagrasse, Igwe. Oui, Altagrasse, c'est-à-dire haïtien vraiment, et son pèlerinage, il y a un peu haïtien qui participent chaque année, surtout de la diaspora. Nous avons des groupes d'Haïti qui viennent de Cap, de Port-au-Prince, et il y a un groupe de Boston, de New York, de Miami. Justement, et ça m'a organisé, parce que tout le temps, après des ans, m'a organisé un pèlerinage pour le monde de la diaspora, surtout de New York et de Miami. Et le 20, et la promotion, c'est depuis la veille, 20 janvier. Et, mais ça avait un impact. Pour qui ça me dit avec un impact social, nous ne pouvons pas nous venir à Altagrasse. Ok, nous pouvons aller à Altagrasse, nous pouvons prier, nous pouvons aller dans le pèlerinage. Mais le lendemain, nous proposons pour nous
parler avec Haïtiens en bas, un déjeuner ou un lunch, comme nous parlons, comme dans la diaspora, c'est partager un repas avec les anciens, les vieillards. Les vieillards, c'est des Haïtiens qui ont coupé canne en République dominicaine depuis le temps de Duvalier. Ils n'ont pas encore mouru toujours. Et eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à travailler encore. Ils ont quitté le pays, ils n'ont pas de contact avec Haïti encore. Petit, ils ont dans le système, ils ont travaillé, donc ils ont toujours été dans la bataille, petit, ils ont avancé sur le travail, la ville, ils ont quitté la bataille, c'est côté coupé canne. Donc, ils ont gagné des logements vraiment, mais c'est le mouvement de l'église qui est là. Parce que, imaginons ça, le minimum dans un pays qui est 15 000, 12 à 15 000, avec 250-300 $. Moun sa ou pas dans salaire minimum, même au-dessous de ça. Donc, on trouve que des fois, le mouvement diaspora, nous solidaire avec Haïti, à partir de cette sentence qui était question, nous avons dit la boycotte touriste dominicaine, la boycotte, mais on trouve que le nous boycotte ça, tout nous boycotte en pile haïtien. Parce qu'on vit de mouvement touriste. Les haïtiens qui travaillent, c'est comme ça, ils peuvent ouvrir la caillou, parce qu'ils travaillent dans le tourisme. Et soit venir à Saint-Domingue, ou pas venir parce que vous parlez pas dominicain l'argent, c'est pas seul dominicain qui recevra comme la grande pile haïtien tout, dans pile business haïtien tout. Qui business haïtien tout. Et par exemple, tout ça mettait en valeur business haïtien. Compagnie de transport là, c'est le haïtien, c'est guide touristique qui avance, qui vient de transport. C'est là avec qui nous pouvons l'utiliser. Guide touristique, c'est des haïtiens. Manger, nous pouvons manger, c'est dans un restaurant haïtien, et bien ceux qui ont certains niveaux et de standard. Donc et puis vraiment voulait pas là si nous voulait pour nous pas gagner une journée avec monde en bateau nous pas visiter ton bateau côté des petits grands monde pour ça petit grand parce que yo délaissé yo parle créole toujours même si yo nos système espagnol nous même qui dans diaspora nous parle créole soit pas gagner langue créole là qui pour réunir nous et puis nous pas faire des petits causes avec yo comment nous y est petit monde c'est donc c'est ça me t'aime mais vraiment c'est pas seulement nous venir dans ta grâce pour venir. Oui, nous avons un pèlerinage, mais aussi nous avons un pèlerinage avec un impact social. Que nous avons fait vraiment une rencontre, non seulement manger, nous avons un cadeau pour nous, peut-être une chemise de nuit, un pyjama, c'est-à-dire une sorte d'échange. Monseigneur, toujours bon mestre à midi qui fête le 21 janvier à la Igwe, donc vous voulez déjà lancer une première invitation formelle avec des, toujours des prêtres d'Haïti, dans les paroisses de Boston, de New York, de Miami qui toujours participent. Et c'est déjà une invitation pour, informelle pour le moment qui va venir par la voie écrite que peut-être Anis sera participé nous avec nous dans le pèlerinage Altagrasse. Il faut considérer ça. Vous pouvez m'engager tout de suite. D'ailleurs, invitation pour qu'on formelle. Pour qu'on formelle. Mais c'est pour vous dire que chaque année, toujours un prêtre qui accompagne les pèlerins. Ok. Donc, il y a un peu d'activité, on dit que les Haïtiens tout qui des fois à l'ouvrir, en table, sous trottoir, la ville, et que bon, maire, la ville là, qui défend ça. Hein? Oui, ça s'est passé dans la ville de Santiago, qui était bon, au maire qui a nettoyé la ville là. Donc, et il te dit, alors, c'est dans le pays où il parlait en espagnol, pas de gens qui vendent sous trottoir encore. Donc, il y a un problème avec les Haïtiens qui. Ou bien vous n'avez pas de l'anglais, ou bien vous n'avez pas de radio dominicaine, ou bien vous n'avez pas de courant, ou bien vous dites c'est la vie à chercher, donc vous continuez, donc ça fait et population, et vous terminez avec et militaires, et police, et population, et les membres de la mairie, puis vous retirez, donc vous avez des discussions, vous avez. Et donc on dit c'est raciste, même pas, mais tout le temps nous mettons raciste, c'est loi pays, parce que Dominicanité est tant pour Haïti, comme vous toujours dit, il y a 250 ans, vous êtes plus mal par Haïti. So, en 50 ans, en 45 ans, nous avons vivant toujours, so, nous vivons un processus de développement, de désordre vers l'ordre et le développement. Donc, ça veut dire, il y a une mémoire, sans affaire, il y a une mémoire, il n'y a pas appelé encore, il était là dans tout, il y a sorti là-dedans, il y a acheminé vers l'autre système. Mm-hmm. Donc, nous-mêmes, il trouve que nous avons un certain retard, il trouve que, par exemple, qui dit que nous faisons sale pays, nous faisons gâter pays, nous voulons gâter pays. Donc, les discussions faites entre deux pays, il faut nous garder les deux côtés tout. Mm-hmm. Ça nous fait, parce que même dans la politique Haïti, c'est ça, Dominique a critiqué, nous voulons faire la caillou, dans la politique Haïti sale, nous voulons faire commerce devant côté qui part pour faire commerce. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent aussi. Okay, d'accord. Mais essentiellement, il y a des fêtes haïtiennes, haïtiens qui ont fait fêtes. Oui, surtout jeunes, surtout étudiants, étudiants toujours qui ont activité, ou bien des haïtiens qui entrent.
les week-ends, les longs, il a toujours fait ça. Comme ça, il y a un mariage, tout, un dominicain et haïtien. Oui, surtout ça, qui étudie. Je me connais plus de médecins haïtiens qui étudient à l'université. Le fait que vous faites 7 ans à étudier dans le pays, il y a vraiment des amitiés qui développent avec les camarades de classe. Et dans le futur, il y a marié au Gatineau. Il y a qui est à Haïti, c'est nommé, il y a un connaît qu'elle vit à Haïti avec madame, il y a un dominicain, il y a un connaît qui est parti à l'étranger. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a un pile dominicain qui vient travailler aux États-Unis? Oui, oui, parce que ici, surtout New York, il y a eu les Nouvelle-Jolle, et il y a une grande population. Et aux États-Unis et à Porto Rico. Ça qui veut dire que les Dominicains eux-mêmes n'ont pas satisfait avec l'économie. Ils ont cherché meilleure vie l'autre côté, ils ont fait place pour Haïtiens. Mais oui, même tantôt, oui, ils ont peur Haïtiens, ils pas avec Haïtiens, ils mettre des ordres dans le pays. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a une population, il y a plusieurs catégories. Maman m'a regardé un jour, c'est des histoires qu'on racontait. Je me passe, bon, ils sont si grands, mon Haïti dominicain, moi, pour ma fête pour les matins, ma marche dans le quartier, en construction, là, puis moi, levé, malgré la. Avec son de lui. Apporter café pour haïtien qui se capte en construction, ça veut dire haïtien qu'on le fait toute nuit là, la veille en construction pour soit pas voler, pas monner, mais c'est lui qui voyait ça, watchman, de watchman, cap veille, c'est sécurité, on te plie, dit ça, gars, c'est travail dans veille, édifice, sécurité, tout, pas sécurité, non, sécurité, au chita là, c'est le cap veille, édifice. L'apporter café à petit pain pour lui, grand-mère, parce que c'est un homme seul qui a passé toute une nuit dans l'édifice, côté à l'heure, ça n'a pas gagné. Manger sous quartier, ça pas de restaurant, pas de côté pour acheter sous quartier. Ça, je me dis, mais ça, oui, c'est pas de goût, oui. En Dominique, on t'y donne capoté parce qu'elle connaît pour manger, grand matériel, tout. C'est des histoires. Dominicain. Capoté café à pain pour un jeune haïtien qui a gagné. Tout le temps qu'il vient chercher la vie dans son nom, je me dis, waouh, c'est des choses que vous regardez. Oui. Haïtien chercher la vie tout partout. Moi-même, je passe 7 ans en Bahamas. Et moi, témoin. Le marche haïtien qui était débarqué, il est venu par bateau, mais au lieu de rentrer dans la ville, il est sur n'importe qui plage, avec un autre qui est rentré, et puis il est rentré à pied dans la ville. Donc, mais le gouvernement Nassau, l'homme était là, il avait seulement 150 000 Bahamiens, et puis bon, bonnes îles, donc une vraie population. Et l'homme arrivé, c'était le Fidel Castro, était fin. Grand pouvoir, Cuba. Donc, tout l'hôtel qui était Cuba, il a fermé, il a fait bâti l'hôtel en Bahamas. Qui monde qui bâti l'hôtel ça? C'est haïtien, en grand nombre. Et c'était tout en. Et pourtant, tout est arrêté. Mais, le gouvernement dominicain a dit, il n'a pas jamais cherché à arrêter le monde, ni bon côté l'église, ni bon côté l'hôpital. Parce qu'il dit, si le monde est malade, c'est pour le soin. Parce que s'il pas soin, la mettez, la répandre maladie. Et deuxièmement, là, l'église, c'est ça qui a été en forme. Okay. Autrement, il n'y a pas de vie au papier, mais à un certain moment, je trouvais que j'étais paix là, et puis invité de mon côté, et puis je trouvais mal chita, coton blanc. Je ne sais pas qui laisse blanc, mais j'étais trouvé, c'est lui-même qui était gouverneur zilien. Et lui dit, ah, ou haïtien, c'est ça, me besoin. Il dit, t'as rien même à haïtien au papier, mais pas de moyens parce que la population Bahama n'a pas voulu. Alors, passez, dis à haïtien, demandez boss qui employé, appliquez pour eux, et puis n'a pas eu papier. Et dans l'espace d'un mois, il y a 5000 haïtiens qui ont papier. Un papier pour qu'ils travaillent. Et à partir de ça, nous l'avons augmenté, pour un petit monde qui fait dans Bahamas, qu'on y a 50 ans de ça. Donc, haïtien, profil dans Bahamas, plus ou moins. Donc, tout le temps, il y a déporté. Par contre, si ça continue de bon temps, chaque vendredi mal dans la prison, ils ont plein de monde, plein haïtien, qu'il y a déporté. Ouais. Mais c'est petit à petit que finalement, ils ont imposé. Passez ici, on joue, attendez, que le gouverneur Bahamas sont haïtiens. descendants, c'est ça. Mais cette construction a été faite par quelques Dominicains papiers, pas que les barreaux de ça, mais par un permis. D'ailleurs, les sentences n'ont fait lève que nous autres, l'association, dans ce domaine, nous-mêmes, avec d'autres personnes très influentes dans la communauté haïtienne, nous avons relé en moi et ça n'a pas qu'à faire comme ça. Et c'est parce que tout le monde est relé qui fait que le gouvernement a fait l'autre
te mettons l'autre sentence pour qu'à vérifier les documents parce qu'on pas qu'à bannir parce que des gens depuis 81 et secteur construction t'es besoin t'as pas fait déportation ça t'es besoin mon lieu il dit non on a pas une garantie que on a pas un permis de travail et il y a un contrat de travail donc ça a été un permis de régularisation que un statut légal dans le pays a, qui permet de travailler 2 ans et renouveler d'ailleurs c'est gratuit première fois on a des papiers pour te présenter papiers de bonne vie et mœurs mais c'est complètement gratuit contrairement à la résidence que on doit pile compte donc mouvement touristique là il est très fort en Dominicaine oh, oui il dépasse 5 millions de touristes là 5 millions chaque année il dépasse 5 millions et ça organise c'est même l'an mais avec nous même la rivière même montagne même monde même plaine même fig banane, même café, même non, il y a même fig banane. Nous avons meilleur fig banane, nous avons meilleur café, parce que nous avons des produits encore organiques, nous pouvons mélanger, nous pas gagner. C'est pas même pas la manger fig banane en Haïti, après le manger fig banane. C'est pas la même chose. Le manger pour le pays, pour l'haïtien, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, nous avons quand même dit des meilleurs, parce que par exemple, même plage, nous mieux, parce que là, là, il y a des plages encore exotiques qui peuvent travailler, parce que c'est ça me vend. L'arrivé dans toute bête la badia ou quand ou rive ou non mais pour seul alors que toujours me dit nous là me dit pourquoi ça Haïti plus cher me dit parce que Haïti on va pas camper dans rien c'est là même qu'on gagne 6 millions gagne tout monde camper dans rap pour manger etc. Là c'est 3 monde 4 monde c'est 6 monde c'est tout on fait avec 4 monde 8 monde jusqu'à 10 monde tout à fait préparé là on vient dans plage la plage là pour toute seule avec famille ou pas que toute masse de personnes ça yo donc quand même une sorte de spécifique et des différences. Donc Haïti ta intelligence c'était développer l'industrie touristique. Et qui ça cap fait depuis quelques années pour développer le tourisme en Haïti? Bon, effectivement, nous parlons de tourisme de masse, il n'y a pas moyen, nous parlons d'infrastructure pour nous de tourisme de masse. À peine nous commencé vers Port-au-Prince, sous la côte des Arcadins, ou bon plage tout inclus, que les Haïtiens. Il est bon quand même parce qu'il fait bruit pour nous, il fait des promotions pour nous. En plus, le monde qui vient, c'est par rapport à la promotion. Et puis de là, il y a fait excursion, sur les fait excursion, l'argent vraiment entré dans notre secteur société, hein, qui c'est... Donc, touristes emportés en pile l'argent pour reste, pas seulement pour mettre hôtel, là, mais pour une bonne l'autre activité qu'a fait tout autour hôtel. Là. Exactement. Bon, donc, il faut nous développer le tourisme. Pour que tout bagage est développé, nous avons besoin d'un gouvernement responsable et puis que... Que le peuple n'a pas tout le temps la bouleverse, la révolution. Bon, c'est-à-dire bon, que. Vu que nous-mêmes, nous, en politique, c'est difficile pour nous faire changement ça, mais par contre, on travaille avec des associations. Par exemple, même moi, là, j'ai l'association Capoise qui est là, c'est l'association pour gestion de la destination nord d'Haïti. Donc, nous, là, par exemple, nous avons un cocktail qu'on a fait demain soir et samedi soir, dans la Brasserie Créole, que nous allons fêter les 350 années de la ville du Cap. Et les 200 ans du Henri Christophe, sauf que nous pouvons faire promotion pour que nous, comme monde, commençons à venir. L'association ça, nous ne prenons pas qu'à nous parler, nous travaillons avec les maires, nous demandons aux maires, mes amis, nous avons besoin de ça, un petit nettoyage, etc., parce que nous n'avons pas qu'à travailler sur le gouvernement central. Là. Mais nous faisons des petites. Donc, par exemple, là, nous avons l'Haïti, Haïti, c'est des Haïtiens de New York qui disent pourquoi pas pour nous mettre activité ça pour nous vendre. Mais c'est online que nous vendons, c'est online au Vani, mais c'est la fête. Par contre, si je peux dire où ça, non, c'est permis. C'est à Marriott, à Brooklyn Bridge. C'est de 10h du matin jusqu'à 5h d'après-midi. Si nous avons intention de marier en Haïti, ou bien nous voulons appuyer le mouvement, nous venons à venir, à bien tout. Quand on fait mariage en Haïti, que ce soit hôtel, que ce soit les églises, que ce soit resto, que ce soit monde qui fait robe de mariée, monde qui fait de gâteau, donc tout ça, monde sera sorti à Haïti, puis on vient dire que. Si nous voulons dire I do en Haïti, oui, nous capables, et puis mais des contacts là pour nous à qui nous voulons travailler, nous voulons faire ça. Donc ça, c'est intéressant, ça, on dit, hein, oui. Que des fois, nous voulons changer le gouvernement, mais l'État pays, hein, vous commencez à la base, mettez l'ordre à la base, mettez développer, et puis ça finit par déboucher sur un gouvernement décent et efficace. Donc, nous pensons que c'est pour nous. Merci aux banques de belles lumières sur la Dominicanie. Merci. Et nous, mon bon Dieu, bénis et fort. Parce merci. Que nous, effort, certainement, c'est pour vivre, mais en même temps, tout, c'est pour promotion Haïti, développement, avenir Haïti, pour que Haïti vienne vivre le lendemain meilleur. C'est ça. C'est pour merci. Mon Dieu béni, ni vous-même, ni tout le monde qui a écouté nous. Merci de m'avoir reçu à Radio Solidarité ce matin pendant mon passage à New York. Et puis, me compter sur nous toutes et sur le public-là. Merci sur le public de la radio, de la télévision. Merci à M. Beto.
c'est annoncé à Saint-Saïd. Je suis là jusqu'à pendant le week-end. Très bien. Merci. Donc, nous sommes contents d'être avec nous, Christina Blau, qui travaille dans le tourisme, qui ont un degré, ils ont un diplôme sur le tourisme et qui a cherché moyen de promouvoir et les Haïtiens qui sont touristes en Dominicanie et puis surtout développer le tourisme pour le moment dans le nord d'Haïti et puis avec probablement et espoir qu'un jour il y a capable de développer le tourisme ni du côté de l'Ansavo, ni du côté de Jacmel, ni du côté de Jérémy, et du côté de Car. C'est ça, Jérémy qui est loin, Jérémy qui est loin. Nous comprenons pas l'air.